Deux minutes pour comprendre les descentes d'organes. Je suis avec le docteur Marie-Laure Brival. Vous êtes gynécologue et vous êtes l'auteur de Mon guide gynéco pour les nuls. Les descentes d'organes, qu'est-ce que c'est? C'est quand les organes qui sont normalement soutenus par un muscle très solide qu'on appelle le muscle périnéal, qui fait une espèce de hamac dans le plancher pelvien et qui soutient la vessie en avant, l'utérus au milieu et le rectum en arrière. Et là, tout à coup, il est déficient et poum. Donc, ce muscle peut être déficient à la suite de diverses choses, soit la vieillesse, soit un accouchement, soit par constitution de nos tissus propres à chacun. Et ces organes vont descendre, sortir de leur place et éventuellement s'extérioriser au niveau de la vulve de tout le périnée. Alors, c'est grave quand même? Ce n'est pas grave en soi, mais c'est très gênant pour la vie sociale, puisque ça peut entraîner des troubles pour déféquer, des troubles pour uriner, des troubles dans la sexualité et des troubles dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire que dans la station debout, on va avoir des organes qui vont descendre de plus en plus, et ce sont des femmes qui éventuellement ont un périmètre d'activité restreint à cause de cette gêne que va occasionner les organes extériorisés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, après chaque accouchement, faire absolument la rééducation périnéale. Ce n'est pas quelque chose qui va donner des résultats à 100%, mais qui est essentiel après chaque accouchement. En cas de trouble, quand il y a quelque chose qui gêne, on sent qu'il ne va pas consulter. En dernier lieu, une chirurgie peut remettre les organes à leur place. D'accord. Donc il faut bien surveiller tout ça. Les symptômes qui peuvent nous alerter, qu'est-ce que c'est? Les symptômes, c'est soit des troubles urinaires, comme troubles je vous disais, soit des troubles pour déféquer, soit la sensation d'une boule qui va s'extérioriser qu'on ne connaissait pas. Et cette boule est souvent le col de l'utérus qui se retrouve au niveau de la vulve. Merci.